cuisine des champs. Des idées de recettes de saison, équilibrées, faciles et magiques. Aujourd'hui, je vous propose une recette de sauce tomate vegan avec des spaghettis sans gluten pour apporter un petit peu d'été dans nos assiettes en cette fin d'hiver. Ici, à la ferme où je travaille, on emmène nos tomates invendues en été au pressoir pour en faire du jus, ce qui fait des centaines de bouteilles en stock. J'ai imaginé cette recette originale à base de jus de tomate pour faire maison une sauce délicieuse, économique et avec des ingrédients frais. Je vous emmène faire le tour de la ferme avec moi pour récupérer les ingrédients qu'il nous faut. Bienvenue dans ma tiny cuisine. Pour cette sauce tomate, il nous faudra environ 150 g d'oignons rouges, 4 petites carottes, 300 ml de jus de tomate, environ 90 ml de lait d'avoine, à peu près 100 g de lentilles corail, 2 brins de coriandre fraîche que l'on pourra remplacer par du persil si vous n'aimez pas la coriandre. Et il y aura tout un tas d'épices et d'assaisonnements que l'on verra au fur et à mesure. Et les pâtes que j'ai sélectionnées sont des spaghettis à la farine de maïs et de riz, donc une version sans gluten que vous pourrez trouver dans les boutiques bio. Je vais commencer par préparer les légumes. Éplucher l'oignon. Coupez-les simplement en deux et nous allons faire des demi-rondelles assez longues. Une épaisseur d'environ 3 à 4 mm fera l'affaire. Je prépare ensuite les carottes. Habituellement, je n'épluche pas les légumes bio, mais là, quand il s'agit de légumes second choix, j'enlève simplement les parties un petit peu abîmées de la peau.
Je les lave, puis je les coupe en fines rondelles également, à peu près de la même taille que les rondelles d'oignon. Et dans un petit récipient, je cisèle la coriandre. Allez, ça peut passer à la casserole. Sur un feu moyen, mettez une sauteuse dans laquelle vous placerez un fond d'huile d'olive. Une très fine couche suffira largement pour faire revenir les oignons. Attendez que la poêle soit très chaude avant de jeter les oignons. Utilisez une poêle avec un haut bord parce que nous ferons cuire toute la sauce tomate dedans. Laissez à feu moyen et remuez régulièrement. Vous pouvez vraiment bien laisser dorer l'oignon. Quand ils sont bien dorés, vous pouvez verser les 300 ml de jus de tomate. Entre 90 et 100 ml de lait d'avoine, que vous pouvez remplacer par n'importe quel autre lait végétal pour changer le goût. Jetez également les carottes sans attendre, elles cuiront tranquillement et garderont un côté un peu croquant. Quand la sauce commence à frémir, saupoudrez-la de lentilles corail. Les lentilles, qui sont des légumineuses, vont apporter les protéines, et les lentilles corail ont la particularité de fondre quand elles cuisent, donc elles vont complètement disparaître dans la sauce pour l'épaissir. Procédons à l'assaisonnement. Nous allons pouvoir être très généreux. Retenez que ce sont les épices qui font toute la magie de la cuisine. Une cuillère à café de cumin, une cuillère à café rase de curcuma, une demi-cuillère de coriandre moulu, une demi-cuillère de cannelle. Si vous en êtes friand, deux petits piments qu'il faut émietter pour sortir les graines. Une petite cuillère de sel et du poivre, sans hésiter. Remuez bien pour mélanger toutes les épices. Et nous allons pouvoir couvrir pour laisser mijoter. Nous pouvons réduire le feu au minimum. Pendant ce temps, je prépare la mâche qui va me servir d'accompagnement. La mâche, c'est la salade typique de l'hiver. Elle est croquante et elle a un léger petit goût de noisette. Je la rince au brumisateur. Tiens, tiens, tiens. Une limace. Et ben elle va vite. Hop là. Il faut maintenant mettre une casserole d'eau à bouillir pour faire cuire les pâtes, mais vous avez vu le faible débit de mon robinet puisqu'il y a un économiseur d'eau, donc je vais utiliser ma fameuse technique pour remplir la casserole plus rapidement. Et voilà. Les spaghettis sans gluten sont plus fragiles que les spaghettis classiques puisque c'est justement le gluten qui fait que la pâte peut se tenir. Ça se voit quand j'ouvre le paquet, hein, il y en a déjà plusieurs qui sont abîmés. Donc il faut les manipuler avec un peu de précaution et ne pas les laisser cuire trop longtemps. Il faudra vraiment les retirer de l'eau quand elles seront al dente, c'est-à-dire encore un tout petit peu croquantes. Je jette les pâtes dans l'eau bouillante. Je veille à bien les décoller. Le temps de cuisson indiqué sur le paquet est de 10 minutes, donc je vais bien surveiller la cuisson pour ne pas que les pâtes se délitent. Au bout d'environ 15 minutes, la sauce a bien épaissi, donc je coupe le feu et je peux rajouter de l'huile d'olive. La rajouter après la cuisson lui fera garder tout son goût. Une grosse cuillère fera l'affaire.
J'espère que cette petite recette vous aura donné des idées pour vos plats. Ce que je veux à travers mes vidéos de recettes, c'est vous donner envie de cuisiner des légumes de saison et des ingrédients simples dans des plats savoureux et végétariens, voire vegan comme celui-ci. Allez découvrir les marchés de producteurs près de chez vous et amusez-vous bien au fourneau. Je remercie du fond du cœur toutes mes tipeuses et tipeurs qui me soutiennent et merci aussi à tous mes abonnés pour vos messages d'encouragement. Vous êtes un vrai soutien moral. C'est vous qui me donnez la motivation de continuer à créer ces vidéos pour vous. Je vous dis à très bientôt et bon appétit !